à tous. Alors, c'est la Céline du montage. Juste ici pour vous dire déjà que mon timbre de voix me gêne un petit peu dans cette vidéo. J'ai l'impression de prendre les gens de haut. Ce n'est pas du tout ça. J'en suis désolée par avance. Et puis, je tiens déjà à faire la rectification tout de suite de ce que j'ai dit. Je vais dire que les pinceaux du Caire ne sont pas vegan ni cruelty free. Mais en fait, c'est faux. Enfin, c'est faux. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. C'est pas noté sur leur site. Mais en tout cas, toutes les gammes ne sont pas en poils avec des poils d'animaux. Il y a des gammes complètement en poils synthétiques. Donc voilà, j'ai été faire mes recherches un petit peu sur Ducare pour avoir un peu plus d'infos. Et j'ai trouvé des gammes qui étaient totalement en synthétique. Donc si vous voulez, je vous laisse de toute façon les liens en barre d'infos pour vous aller checker et faire un petit peu votre opinion là-dessus. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler pinceau. Je ne vais pas trop me mettre sur le sujet. Je vais juste vous dire ce que moi je pense des pinceaux, si je vous les conseille ou non. Et puis voilà. Donc, je vais vous présenter les Ducare, principalement les pinceaux yeux, sachant que j'ai aussi les pinceaux teint. Les pinceaux teint, je vous en parle vite fait tout de suite. Il y a beaucoup de redondance dans les pinceaux. Vous avez plusieurs boules de formes certes différentes, mais ça reste des pinceaux boules. Chacun peut avoir son utilité. Je ne me sers pas de tous. Par exemple, ici, il y a un gros fan brush. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas. Donc, voilà. Voilà, après c'est une question de goût, c'est une question de choix. Chacun met sa poudre avec un pinceau qui lui est propre. Je sais que moi j'aime bien un pinceau boule plat pour remettre ma poudre. D'autres aiment bien les gros gros pinceaux. C'est question de goût. Les pinceaux du Caire, les yeux. Donc vous voyez, on a différentes formes. Si je mets un cul de pinceau, ça ne va pas aller. On a différentes formes, différentes sortes de poils. Voilà. Moi, je l'ai acheté principalement pour celui-ci. Je me suis dit, au moins, tu auras encore plus de pinceaux parce qu'on n'en a jamais assez. Et puis, tu auras celui que tu veux. Et en fait, je l'ai vu dans une vidéo sur Instagram, une Instagrammeuse, Vodou Barbidol. Elle a changé de nom, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour faire le dessous d'œil. Elle l'utilisait beaucoup à ce moment-là. Maintenant, j'ai plus l'impression qu'elle l'utilise, mais c'est pas grave. Donc, ceux-ci, ils sont très bien. Moi, je les trouve très bien. Certains, je trouve, qui sont un tout petit peu rigides à l'application, mais c'est vraiment minime. Ils font très bien l'affaire et je vois pas spécialement la différence. Je prends au hasard, je regarde pas la marque que je prends quand je me maquille. Et franchement, je m'en sors toujours bien. J'ai pas de problème pour le faire. Comparé à un de chez AliExpress, par exemple, vous voyez, ça, je conseille pas. Mais pas du tout. Cette gamme-là de chez AliExpress, je ne conseille pas du tout. C'est de la daube. Pour moi, c'est de la daube. J'ai pas aimé. Donc, voilà. Cela, franchement, j'en suis contente. En plus de ça, il y a quand même pas mal de formes différentes, de grosseurs différentes. Et c'est appréciable, surtout quand on cherche à faire des choses et qu'on cherche du plus précis ou non. J'ai payé la totalité 45,99 €. Il m'est venu dans un pochon comme ceci. Je vous aurais mis en début de vidéo une petite présentation du lot de chez Ducare et du lot de chez Gessup. Donc voilà. La chose à savoir pour les pinceaux Ducare, c'est qu'il y a des poils de chèvre et des poils de poney. On a 8 pinceaux comme ça en poils d'animaux. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas véganes. Donc les Ducare, je les trouve très bien. Je vous les remontre quand même un par un, ou deux par deux, ça ira plus vite, ou comme ça. Voilà, je vous les remontre comme ça, allez, par petits lots. Donc, vous voyez, ils sont pas tous de la même grandeur. Le manche est un tout petit peu plus gros que d'autres manches, par exemple que ceux de Gessup, ils sont un tout petit peu plus gros. Il y a des noms pour lesquels je ne vois pas l'intérêt. Par exemple, je vais vous montrer vite fait celui-ci. Ils disent que c'est un eyeliner. Je ne me vois pas faire un eyeliner fin avec ceci. Sachant que généralement, on cherche des eyeliners fins, pas comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Si tu veux du Amy Winehouse, c'est bon. Tu as le pinceau qu'il faut. Alors, voilà d'autres pinceaux. Celui-ci, là.
C'est la première fois que j'en vois un comme ça, j'ai jamais fait attention aux autres fois. Ici, c'est un angle. Nous avons aussi des comme ceci. Alors, si vous en voyez qui sont tordus, biscornus, c'est pas leur faute, c'est la faute de mes enfants. Voilà. Et le fan brush qu'ils mettent à la fin des pinceaux. Il y a un pinceau que je ne retrouve plus, c'est un pinceau en poil de poney. Il y en a quatre en poil de poney, quatre en poil de chèvre. Les autres sont synthétiques. Et ils ont mis un pinceau pour moi qui est inutile dedans. C'est le tout dernier, c'est le numéro 31. C'est un pinceau côté plastique pour faire les séparations et côté brosse. Je pense que vous voyez de quoi nous parlons. Généralement, on ne les garde pas, ceux-là. Et ensuite, j'ai les Gessoupes. Non, je soupe pas. Gessupes. Oh, c'est bon. J'ai le droit de faire des vannes pourries quand même. Alors, je sais que j'ai un Zoeva dans le lot. Je me trompe tout le temps. Enfin, je le mets toujours avec les Gessupes, du coup, je ne le vois jamais. Voici la gamme de chez Gessupes. Elle est quand même différente. On a un peu plus de pinceaux estompeurs, je trouve. C'est mon humble avis. Ceux-ci sont tous en poils synthétiques. C'est très bien pour vous. Il n'y a que celui-ci qui est en nylon. Pour moi, il est en nylon parce qu'ils disent qu'il y en a un nylon. Et je pense que c'est celui-ci. C'est un eyeliner. Voilà. Mais ils disent bien qu'il n'y a pas de risque pour les yeux. Alors, les pinceaux de chez Gessup, ils ont un très bon maintien, des très bons poils. Je n'ai perdu aucun poil chez les Gessup et aucun poil chez les Ducaire. J'ai par contre un souci chez les Gessup que je n'ai pas avec les Ducaire, c'est le maintien des poils à la, vous le voyez là ici, au lavage. Les Gessup sont un peu plus échevelés, vous voyez. Les poils ne se remettent pas bien tout le temps. Ils sont un peu plus échevelés et j'en ai un ou deux qui me piquent quand je me maquille. C'est vraiment le seul point, entre guillemets, négatif que j'ai sur ces pinceaux parce que franchement, ils sont terribles. Et j'ai mis encore mis le Zoeva dedans. Oui, j'ai encore mis le Zoeva dedans. Non, mais c'est pas possible. Je me fatigue. Ouais. Voilà. Bon, lui, c'est moi, hein, qui l'a sali. Voilà, donc j'en suis très satisfaite des deux. Moi, je trouve que mon lot Ducaire complète mon lot Gessup. Ça plaira pas aux gens qui sont vegan cruelty free. Désolée. Je vais vous faire une petite comparaison des 231 qu'il y a dans les lots. Voilà. Dans Ducaire, il n'y a pas de comparaison à voir parce qu'il n'y a pas de même. Alors, je vous présente les deux. Bon, la présentation n'est plus à faire, mais bon, c'est. Hein? Voilà. Excusez-moi, je suis revenue. Je me dépêche, on m'attend. Voilà, donc la présentation n'est plus à faire. Ici, le Zoeva est un peu plus travaillé. La couleur du Zoeva est plus blanc que le poil du Gessup. Vous voyez qu'il est un peu plus crème. Et le pinceau, la seule chose qui change, ce sont les écritures. Sur le Gessup, il est plus gros. Sur le Zoeva, c'est plus fin. C'est doré, c'est argenté chez Zoeva. Et c'est à relief, voyez, licorne sur le Gessup. Les deux gammes me conviennent totalement. Ils ont une façon de travailler les fards qui me plaît. Mais, comme je vous ai dit, si vous voulez un peu plus de souplesse, mais vraiment, c'est minime. Si vous voulez un peu plus de souplesse dans le travail du fard et tout ça, je vous conseille plus les Gessup. Parce que les Ducaire sont un peu plus durs. Et du coup, on va être plus dans plus de. Enfin, pour l'estompage, je trouve que c'est léger, mais un chouï léger compliqué. Vous comprenez bien que avant de faire cette vidéo, je vous aurais dit qu'il n'y a pas de préférence à avoir. Après cette vidéo, je vous dirais que je préfère quand même les Gessup de par leur gamme totalement synthétique. Du coup, les Ducaire, ça me fait un peu mal d'utiliser ces pinceaux, mais je ne vais pas les jeter pour autant. Je les ai achetés, c'est tout, c'est comme ça. Ça restera comme ça.
Dites-moi un petit peu si vous voulez plus d'informations. Maintenant, je pense vous avoir dit ce que moi j'en pensais et ben, ce qu'il en était. J'ai fait un petit peu mes recherches. Je n'ai pas fait le prix du pinceau, à combien il revient le pinceau. J'essaierai peut-être de le faire et de l'inclure dans la vidéo. Si j'inclus, ce sera maintenant. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Dites-moi un peu, vous, si vous avez aussi les pinceaux du Caire, si vous étiez au courant des poils. On va dire ça comme ça. Dites-moi ce que vous préférez, si vous avez les G-Sup, si vous en êtes content, parce que moi j'en suis très content. Dites-moi également si certains vous piquent, parce que ça franchement j'ai l'impression que j'ai déjà vu 2-3 personnes qui disaient que ça piquait un petit peu. Donc est-ce que c'est une mauvaise fabrication, on va dire, du produit? Je ne sais pas. Je compte m'acheter une gamme totale de G-Sup pour vraiment avoir la gamme totale et essayer de comparer du Caire G-Sup. Je pense que voilà. Et je vous dis, là, après cette vidéo, voilà. Mon cœur bat pour G-Sup et plus pour du Caire. Bon, un petit peu quand même. Bon, allez, je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la barre de commentaires. N'hésitez pas non plus à aller checker la barre d'infos si vous voulez les informations. Je vous mettrai le site de Du Caire, le lien vers Amazon où je les ai achetés et aussi le lien Amazon des pinceaux G-Sup que j'ai acheté, sachant qu'ils sont aussi en vente chez AliExpress et qu'il y a aussi plusieurs gammes. Ils ont leur boutique, si je me souviens bien, sur Amazon. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et aussi à vous abonner, à activer la cloche de notification. Venez me voir sur Instagram, j'y poste aussi assez régulièrement. Et puis voilà. Et puis voilà, j'ai tout débité d'un seul coup, je me suis sentie pousser des ailes. Voilà, on m'a appelée, je suis attendue, c'est parti, partons, voyageons! Bye bye!